Les États-Unis surveillent le système Iron Beam d'Israël. Le ministère de la Défense est prêt à investir dans des armes laser si elles sont performantes. Après l'attaque du Hamas, des informations ont circulé sur le fait qu'Israël était prêt à déployer le système laser Iron Beam. Plus tard, une vidéo de la prétendue première utilisation au combat a été publiée. Il s'est avéré que cette vidéo était en fait tirée d'un jeu vidéo. Néanmoins, les États-Unis attendent qu'Israël utilise le système Iron Beam. En cas d'utilisation efficace, ils sont prêts à investir. L'administration du président américain Joe Biden souhaite demander au Congrès 1,2 milliard de dollars pour développer le système Iron Beam.